Ah bah ça m'a rendu ma vie et ma mon air, le fait de changer de niveau. Et là c'est le repère de la murène. Alors y a un truc qui me... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va voir Ursula. Ursula. C'est dans les 101 Dalmatiens, ça, une histoire comme ça, non? Crois que c'est ici le repère de... Pourquoi j'ai mes flingues de... Excusez-moi, je grogne. C'est ce bordel. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il est où? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais je le vois même pas! Mais c'est honteux ce qui se passe! Quartier d'équipage. Ah non, c'est par là. C'est après le repère de la murène. Encore. Ce niveau encore après. Je sais qu'il y en a. Je crois qu'il y en a 4 des niveaux sous l'eau. Je pensais que c'était là le repère. Ah, je suis déçu. Parce qu'on commence, hein, de toute façon. Faut direct l'affronter. Enfin, faut la. Mais qu'est-ce que c'est que ce bug là? Tu vas avancer là ou il se passe comment? Ça se passe comment? Non, c'est la petite sirène, la méchante avec les murènes. Honteux. Il y a du courant. Mais du courant de quoi? S'il n'y a pas de courant dans l'eau stagnante? Hop là! D'une certaine manière, c'est un mal pour un bien. Dans ton brother, si. Ah. Excusez-moi. Je suis pas au courant des anciennes technologies. Alors, ce gars, mec au fusil à pompe. Mais il est là-haut! Alors, il peut me toucher. Mais pas moi. J'avais une fenêtre de tir. Comment ça tu fuis? Il filasse comme une coutume. Excusez-moi, il filasse comme une coutume. Je m'énerve, c'est pour ça. Ah, je peux pas le rejoindre là. J'arrive pas à la porter. Pas grave. Allez, ça va, on l'a fait fuir, c'est le plus important. Allez. Oui, j'ai vu le levier, hein, t'inquiète pas, on voit que ça d'ailleurs, hein, quand tu montes. Oh, c'est celui du haut en fait. Bon, on va prendre une vraie arme.
Ah, chais! J'ai plus le temps de réagir. Enfin, ouais. Il était surtout lent à la détente, mais. Ils ont remboursé les munitions que j'ai dépensées sur leur gueule. Ah! Je me suis dit, mais ça tremble d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Super. On va recommencer tout depuis le début. Génial. J'en rêvais. J'en rêve la nuit de toute façon. Je sens qu'on va vite s'énerver hein, ce soir. Voilà. On fait pas la connerie de se mettre dans le courant invisible qui traverse de rien à rien. De là à de là. Tu es français de où, Paris? Je viens de te dire banlieue parisienne, mais on va se foutre de ma gueule donc. C'est pas de différence. Moi je suis belle donc ça va. Voilà, ça va. Les Belges ils ont pas de. D'a priori. Parce que les Français. Les Français qui ne sont pas de Paris, ils sont pas de région parisienne. Ça, c'est des fléaux hein, pour ça. Pouah, tout le temps dans le jugement. Voilà. Particulier les gens qui sont de La Rochelle. Putain, j'ai eu le temps de me prendre un coup de pompe dans la gueule. J'avais oublié! Je le voyais la mort arriver, pourtant. Mais ça s'arrête jamais dans ce niveau de merde! Ah, je vois que mon chat est en PLS. Ça, c'est. J'écoute, hein. Ah! Je t'en prie. Bienvenue, ça va, Belmachka? Ça se passe bien pour toi. Ouais, c'est bien. Alors attendez, bougez pas. Hein. Facile. Facile, facile. Regarde ce qu'on doit subir de la part des Parigots, Nemesis. Ça, j'ai. Ouais. Ça, c'est vrai que les Parisiens, c'est les fléaux aussi. Hein. Mais ça tombe bien, je suis pas Parisien. Je suis banlieusard. Je rentre pas dans la guerre entre Français. Tu as tout à fait raison. De toute façon, on sait tous les deux hein, qui a raison. Attention, hein, moi je mets mon gilet jaune et je monte sur si ça continue comme ça. Tu fais comme tu veux, hein. Tu fais comme tu le sens, Pelmichka. Hein. Je vais devoir. Par contre, il y a un truc, je vais devoir te dénoncer, hein, parce que apparemment tu souhaites la mort du président français, donc les terroristes, je suis obligé de les dénoncer. Hein, pas sûr, c'est. Voilà, bonne journée. Tiens, en fait, je te banne. Voilà. Salut.
Ah, j'ai coupé le feu. J'ai coupé le feu, ça c'est une bonne nouvelle. Est-ce que tu en as d'autres à me proposer? Une nouvelle. Quand... Je suis quand même supérieur aux Français à Sadinik, je ne pense pas du tout. Et le truc, il t'a rectifié en mémé quand même. Je suis quand même mémé supérieur. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon machin. Là. Ah oui, je suis quand même aimé. Bah oui, non mais je suis d'accord avec toi, hein, t'es quand même aimé. Hein. Je l'ai pas là. C'est un peu juste pour moi là. Ah non, c'est pas juste du tout. J'ai vécu un an à Namur, c'est choupi la Belge. C'est enfin, je peux pas comprendre. Ah, c'est ça, je pourrais pas comprendre ça. T'auras pas à me l'expliquer sur. Ouais. Pourrais pas comprendre, non. Putain, mais j'entends des bruits de pas, ça me stresse. J'habite la région de Namur. En vrai, moi qui aime bien la bière. Petite journée chez là. Je vais m'organiser une petite journée chez. Je vais faire un tour du. Je vais faire un tour de France plus la Belgique avec la Gardeur. Mon petit, c'est mon petit, il n'y a pas d'autre choix que d'habiter pas loin de Namur. Il y a une nouvelle guerre civile qui se déclenche sur le chat. Eh non, mais est-ce que tu peux regarder en bas? D'accord, il y a quelque chose en bas. Mais ça me sert à quoi? C'est débile ça. C'est débilos. Ça m'a servi à quoi d'accéder là? Attention, hein, je suis armé. Mais! Mais non! Attendez! Bon bah elle habitait à La Rochelle, Pelmeshka, donc ah elle est bloquée. Ah, c'est bizarre là, il y a un truc à faire. Hein. Là, je peux pas tirer plus, c'est normal, j'ai qu'un d'espace à cause du machin. Mais alors quel intérêt si je peux les accéder direct? Si. Oui, si. D'accord. Si. J'ai compris. Excusez-moi, je suis débile.
pour 20 minutes. 20 minutes à pied. Cela dit, voilà, je regarde quand est-ce que combien de temps je mets moi pour aller à la mer. Est-ce que Paris-Plage ça compte? Déjà. C'est tout? Non mais c'est juste pour des munitions de fusil à pompe que j'ai fait ça, enfin. Non. C'est bizarre, je m'en doutais. Vous êtes des rabat-joie. Hein. Je tenais à vous le dire. Je suis venu juste pour des munitions. Ah non, oui, non. On t'excuse. Non mais je suis doublement con moi aujourd'hui. Hein. Toutes les bêtises. Hop! Non, c'est pas trop, je vais me chercher à boire. Bah, de toute façon, vu la vitesse à laquelle je. C'est étonnant, je t'ai donné envie d'aller chercher une bière. Bon, vu la vitesse à laquelle j'avance. Par contre, ça m'a donné envie de faire une petite sauvegarde. La nouvelle du GDR au fait. Bah, je pense que c'est un peu compromis hein, parce que j'ai relancé Shogubaza et comment s'appelle Just One Zero et je sais pas si c'est une bonne idée de. Oui. Non mais. Mais non, mais sous la gueule du monde, c'est quoi cette apparition du. D'une autre partie du jeu. Vas-y. Enfin, et en gros, ils m'ont dit, ah non, j'ai pas regardé. Re. Ben, on est mort pour ta plus grande. J'ai sauvegardé au moment où t'es parti. Rep, oui, rep. Il s'appelle au moment où t'es parti et je suis mort. Donc, tu vois. Mais ça, c'est, je le fais exprès, c'est pour vous. Ça me fait plaisir. Bon, c'est un peu le jeu qui m'a trollé. Hein, voilà. Ouais, donc le JDR, bon. J'ai pas. J'ai eu l'expérience de table précédemment et je vois bien que. Santé de la Belgique. Ah, qu'est-ce que tu bois? Ouais, donc j'ai l'expérience de jeu de rôle et je sais reconnaître quand des mecs sont pas motivés à jouer à un jeu de rôle. Sans vouloir être. C'est pas pour être offensant avec eux. Hein. Une chimère, bah oui. Ouais, ça c'est pour cette petite chimère. Petite chimère. Donc je pense que si j'ai pas de. Je vais relancer une dernière fois et si j'ai toujours pas de nouvelles, bah. Écoute. Ah, ça a apparu ça. Ou alors c'est les corps qui ont disparu. Le mec il lâchait ça et j'avais pas vu. Bon désolé, je nous avais expliqué. Non. Ouais, bah écoute, tant pis. Hein. Je vais pas trop faire le forcing. Hein. Ça, voilà.
Puis en vrai, de toute façon, le jeu de rôle en distanciel, comme ça, je suis moyennement fan. C'est juste que je voulais interagir. Putain, je m'en prends une bonne là. Oh bah, vas-y. Attends, attends, attends. Oh, je peux répliquer là. Oh. Moi, je viens jouer. Bah, écoute, si t'es chaud, ouais, mais. J'ai plus d'air. C'est par où? Est-ce que la caméra peut faire quelque chose pour que je vois quelque chose? Mais c'est pas possible de se faire tuer par comme ça. Excusez-moi, mais là, la caméra, sans déconner, quoi. Enfin, faut qu'elle fasse un effort, quoi. Si le mec il montre rien, je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. Ah, c'est chiant. Hein. Soit tu décides de l'affronter et tu te fais bolosser, soit tu décides de pas l'affronter et tu te fais bolosser. Alors, un peu chiant là. Hein. Un peu casse-couille là, cette partie-là. Ça commence à être l'énervement. Ces jeux sont bien, hein, mais c'est comme le coin trop. Hein. C'est coin trop, n'en faut. Hein. Non, je me suis retourné avec toi à l'époque, si pas plus. Ouais, mais bon, faut pas. C'est pas bien de montrer aux gens de l'énervement. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand on s'énerve, y a pas de miracle, hein. Il faut s'arrêter, point. Oui, c'est bon, j'ai vu. Merci. Ah bah bravo. Ça recommence sur des bonnes bases, je pense. Mais non, mais retourne-toi, espèce de débile, j'appuie sur le bouton pour retourner. On va esquiver les tirs, on esquive les tirs. Mais c'est pas vrai. C'est une... Ah! Ah! Mais elle est là, cette saloperie de... Mais retourne-toi, mais espèce de débile, quand j'appuie sur le bouton retourne. Ah oh là là, c'est là le repère de la murène. Il s'appelle pas comme ça s'appelle le quartier d'équipage, d'accord. Bon, double peur, hein. Bon. De la méthode. Monte. Tu dois avoir un sacré décalage, à mon avis, parce que là, je suis déjà mort, je suis déjà en train de repartir, en fait. Allez, je vais bien, tout va bien. J'ai un sacré décalage. Oh, recharge la page. Respire un bon coup, ouais, faut respirer. On va sauvegarder cette partie pour éviter de la refaire en boucle. Parce que là, ça va pas le faire sinon.
parce que je me suis rapproché de Paris, la connexion est moins bonne que La Rochelle. Ouais, si tu le dis. Hop! Ah mais sors-le ton harpon là. Alors première phase, tuer le plongeur. Est-ce que tu peux... Ok, il revient pas, on va aller... Reprendre de l'air. Ok. Petite trousse. Bon, je savais bien qu'il y avait le repère de la murène quelque part, mais il me semblait que c'était en début du niveau même. Je croyais que le nom s'appelait le repère de la murène en plus. Le nom du niveau en plus, là où il y avait la murène. Allez, là, c'est bon, on a tué le plongeur, on peut foncer, on peut... Voilà. Faire juste attention à ne pas se faire boulotter. Torche, ça me fait plaisir. Saloperie, hein. Est-ce que tu peux, voilà, me remontrer la rat? Ah, ça fait mal. Ça fait mal de se faire manger par une murène. Ne faites pas ça chez vous. C'est pas là. Il y a plusieurs trucs qui sont ouverts, c'est pas possible autrement. Mais non, mais... Ah non, c'est par là. C'est forcément par là, il n'y a que ça qui s'est ouvert. Attendez. Mais non. Ah oui, d'accord, il y avait un... Allez! Bon, quelle arme on va utiliser le pompe, hein. À partir de maintenant, on a 50 balles de pompe. Les ennemis, moi, je veux les voir détaler devant moi. Comme vous me sortir le shotgun, là. Tiens, regarde. Oui, d'accord. C'est bien foutu. Alors, fais pas le malin, hein. Et regardez.
Bon, c'est un petit peu la caméra qui est en dessous de tout, mais... Mais non, mais là tu te fous de ma gueule là. Bon, en fait, bon. Je ne comprends pas. Non, c'est dans l'autre sens, c'est de l'autre côté, ça se passe, c'est pas possible autrement. Bravo. Et paf. Ah! Attendez. Serais-je idiot à ce point-là? Non, c'est pas ça. Faut faire chuter ça en fait pour aller là-haut. Pour faire chuter ça, faut actionner le levier qui est là, qui est juste devant ta gueule, quoi. Si tu regardes un petit peu autour de toi, quoi. Hein? C'est pas ça qui s'est ouvert? Ah! Enfin, j'ai un shotgun moi. Je me soigne. Et puis je sauvegarde, hein. Tiens, allez, vas-y. Salade tomate-oignon, quoi. Y a des bris de verre, ok. On va descendre. Oh là, c'est plus haut que je pensais. Ah! On est bloqué. Sommes-nous bloqués? Non. Un petit truc qui permet de remonter. Il y a deux leviers. Bien, je suppose. Ah bah oui, d'accord, ok. Voilà. Pas compliqué ce jeu.
que c'est timé ça aussi? J'espère pas parce que. Oula! Easy. Ah, on a tué un mec en haut, c'est vrai. Est-ce qu'il avait quelque chose pour moi? Des joujoux? Que... Tu n'as pas de juju? Tu n'as pas de joujoux pour moi? Voilà, ça c'est du Tomb Raider, c'est ça comme on les aime. Ok. Oh, il a rien compris. Il s'attendait à me bolosser là, il s'est dit je suis arrivé avec ma clamelette. Pas ah! Ça fait mal, ouais. Ça fait mal. À toucher rectal. Excusez-moi. Ça, on peut le virer, c'est un coup de. Reprendre notre fusil à pompe adoré. Alors. Plusieurs trucs. Oula, on y va goutte. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit secret là. Blulip. Je suis obligé de me blesser? Pour un secret? C'est honteux. Je veux voir ce qu'il y a. Ouais, mais il y a de l'eau, puis il y a le secret vert. C'est bon, on connaît, hein.
Oui. Toi, ta vie, c'est de la merde, t'as vu? Tu vis dans 3 mètres carrés, quoi. Pas content parce que je viens de tuer sa femme, c'est ça, hein? Il fait chambre à part, c'est pour ça. On ne met pas les torts sur tout le monde. J'ai bien envie d'aller voir le flotte là. En fait. Et là, paf, nez à nez avec un requin. Oh, ça découvre des secrets sur ce stream. Ce qui me fait voir, c'est que ça sert à rien, mais à rien du tout, mais. Bon, on a bien fait d'y aller. Bon, celui-là, tu peux sauvegarder indéfiniment. Il n'y a pas de limite. C'était facile, hein. Il n'y avait rien? D'accord. Il n'y a vraiment rien d'autre. Elle pompe. Ah! On va canceller un petit peu la musique, enfin le bruit bizarre. Le bruit buggé. C'est fou ce bug là. Pas pousser plus. Son corps est rentré dans les textures. Plus fort que toi. Toi
Moi aussi, je suis plus fort que toi. On s'en fait du monde là. Du bruit. Sert à quoi lui? Sert à quoi ce rocher? On peut le déplacer, on est d'accord, hein. Ça m'intrigue. Pour moi, c'est pas là. Par hasard. Attends. Non, j'ai cru voir un passage au plafond. Là, j'ai pas de passage. Ouais, bon, allons-y, quoi. Allons-y, allons-o. Trop court. Tiens donc. De là où je peux y accéder, à ton ami? Ça fait loin, je trouve. Oh non! Ça va aller. J'ai bien mon fusil à pompe. Tu as le fusil à pompe? Tiens! Ouais, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qu'il foutait dans mon dos, lui? Bref. Je me déteste. Ah, là, par contre, ça fait vraiment rampe de lancement. Je pense que c'est pas là non plus. Mais quand je te dis... Là, je déteste, hein. Quand je lui dis marche, tu marches, s'il te plaît. Ok. Ouais, c'est ça. Bon, ça se trouve, il y a une clé en dessous. Non. La réponse est malheureusement et non. Il n'y avait pas d'endroit où je pouvais mettre une clé, là, non? Non, il n'y avait pas. Juste un petit salon et... On s'amuse quoi. On voit qu'ils ont quand même un ennemi qui vient derrière. C'est quand même curieux cette histoire aussi. Pas du tout la partie.
Ça me paraît bizarre. Pas du tout. Tiens donc, ah, je suis coincé un peu. Je suis coincé. Il y a un truc, mais bon. Je crois moyennement, hein, mais bon. Bah. Super. Pas cru au bout, j'ai pas cru à mes rêves. Voilà. J'ai pas cru à mes rêves et ça. Je t'ai pas entendu arriver, toi. Faudra le plaisir plus tard d'être moins discret. Comme moi. 27 balles, mais non, ça part, hein. J'étais à 50, j'ai quasiment la moitié déjà. On va peut-être économiser en prenant mon flingue normal. Enfin, mes flingues normales. Qui donne rien là, ça fait un petit moment qu'il donne plus grand chose. Le petit bug. Hein? C'est une honte. On est tous d'accord que c'est une honte. Putain, il y en a encore plein là, encore des comme ça là. J'avais oublié qu'il y avait autant d'humains dans le jeu. Je me souvenais qu'il y avait des humains à tuer, tout ça machin, mais alors. Bon, qu'est-ce qu'on a comme munitions? Fais voir. Ah, le M16, j'aimerais bien garder pour des éventuels boss. Bon, on est obligé de continuer hein, sur le pompe. Hein. Ça me fait mal, hein, mais. Mais bon, c'est la vie qu'on a choisie. Hein. Fais voir au niveau des limites des trousses. 7, 2.
On arrive à peine à suivre. Parce que le but à la base c'était quand même d'économiser les trousses. On n'avait quasiment plus rien. On utilisait que le flingue. Que les petits flingues là. On a vite remarqué que contre les humains. Contre les bêtes ça va. On arrive à les. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas sauvegardé. Je me suis dit je vais allumer. Elle commence à sortir sa torche, elle a pris une plombe comme d'habitude. Je me suis dit, bon, la merde quoi. Oh, j'ai tellement de trucs à refaire. Oh là là. Bon, ça sera le dernier niveau. Hein. Oh, ah ouais, je suis là. Est-ce que tu peux sauter, espèce de débile, va? Ça va. Mais ça va, mais non, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu sautes pas? Mais pas possible. Fais pas là, hein. Bon allez, on va qu'une visite dès maintenant. Yes. Chiant de refaire 50 fois les mêmes trucs. Yes. Alors on sait qu'il y a du monde ici, hein, parce qu'on les entend. M'a surpris, je pensais pas que ça allait être aussi près. Pas mal. On essaie à bien les taper sans prendre trop de dégâts. Je suis assez fan. Y avait quelque chose par là, je me souviens plus.
Il y avait quelque chose, ouais. Mauvaise surprise. Une source d'ennui, avait visiblement. La joie, mais à l'état brut. C'est un bloc de joie, ce jeu. Allez. Entre tous les ennemis qu'on a tués et peu de leviers qu'on a actionnés, va être bien une petite sauvegarde, quoi. Ah! Je t'avais complètement oublié, toi. C'est un piège tout bête en plus. C'est un trou des pics. Somme tout basique. Un piège tout somme tout basique. Mais il se trouve que je suis tombé dedans. Et les deux pieds dedans. Et c'est pas rien de le dire. Aïe aïe. Bon, là, on a bien économisé, hein. Ah oui, 44, oh là là, qu'est-ce qu'on a économisé? Oh là là, il n'y a rien compris, lui. Ah, et puis des munitions, lui. Bon, pas grand-chose. Alors, faut faire attention, hein. Avoir des barracudas qui sont apparus. C'est un système qui ils sont nés dedans, hein. Ils sont développés. Ah! Alors j'ai trouvé les deux secrets les plus rares.